Yo les amis, c'est Sam Sifi, j'espère que vous allez bien la team. Bon les gars, là je sors du taf. Donc c'est génial, hein, tu sors du taf, tu te prends les bouchons parisiens, on adore. Là je vais en direction du Paris Karting d'Or à Vissou. Parce que il y a... Vous vous souvenez, pendant mon road trip, le poteau de mon collègue, donc TF, le mec qui nous avait accompagné pendant le road trip avec son GEX 7,5 là, il m'a défié au karting. Ok Armand, tu proposes un octogone sans règles, c'est quand tu veux frère. Alors bien sûr, on va pas se faire prier, donc on s'est donné rendez-vous au Paris Karting d'Or et on va se faire la piste glace en mode, tu vois, pour faire du drift, t'as vu tout ça, ça va être des barres. Et on va se faire bien sûr bah, l'autre piste où là on va se foutre clairement sur la gueule. Part d'arbitre, octogone. Bon bien sûr, moi je sais que je vais gagner, tu vois, parce que voilà quoi, je me démerde plutôt bien au karting, nanani. Bah je déconne, en vrai on verra quel meilleur gagne, tu vois. Mais ça va faire plaisir parce que ça fait genre pas mal de temps quand même que je l'ai pas vu, le petit TF. Ah oui aussi, bon bah vous l'aurez remarqué je pense, hein. J'ai mis mon NXR, tout simplement parce qu'en fait pendant la session karting, j'aurais besoin de relever ma visière pour me ventiler un petit peu. Et la visière du AGV elle tient pas en place, elle fait constamment que de se baisser. À la moindre petite bosse, et bon bah pour ceux qui ont fait du karting, vous savez que c'est quand même assez physique, donc faut quand même un petit peu bouger sur le kart. Donc si elle arrête pas de tomber, ça va vite me casser les couilles. Donc j'ai pris celui-ci, au moins tu vois la visière là. Elle est crantée. Donc tu vois, je peux la laisser comme ça, je peux la mettre comme ça. Et ça fonctionne plutôt bien. Mais bon, ça fait plaisir quand même de ressortir le Choi NXR. Mais je vous avoue que depuis que j'ai le AGV, je mets que le AGV, hein, je me suis tellement habitué à son confort. Laisse tomber. Donc bon, on se retrouve une fois qu'on sera là-bas quoi. Je vous épargne tous ces bouchons, hein. C'est clairement... ça m'emmerde, vous pouvez pas savoir. Bonjour. Soirée privée. Ah, c'est fermé aujourd'hui? Comment? Ah, je savais pas que c'était fermé. Ouais, c'est fermé pour le... Ok, d'accord, bon bah... Nique ta mère. Y a pas un motard qui est arrivé avant moi, genre il y a 15-20 minutes? Non. Non? Non. Bon, bah, premier échec. C'est pas ouvert au public aujourd'hui. On aurait dû regarder sur internet. On est des bolos. Putain. Bon bah, on va l'appeler, hein. 12 seconds later. En fait, non, c'est peut-être pas privé. Enfin, je sais pas, j'ai rien compris. Je comprends rien. C'est privé ou c'est pas privé du coup? Non, c'est privé. Mais s'il vous plaît, il y a le. Ah oui, d'accord, ok. On bat les couilles, frère. Ah, quoi? Always look on the bright side of life. Ça va? Avec le recul.
gars, soirée karting terminée. Franchement, c'est bien fendu la gueule, c'était vraiment super. Merci à toi mon Tef. J'espère que les petites images vous auront fait kiffer, hein. On s'est tiré une bonne bourre, c'était super plaisant. En plus on a le même niveau tous les deux, donc c'est vraiment agréable quand tu tires la bourre avec quelqu'un que t'as le même niveau. Comme ça tu peux voir, tu peux t'inspirer un petit peu de ses trajectoires et vice versa. C'était vraiment très sympathique, donc voilà, j'espère que les images vous auront plu. Moi je vous laisse là parce que je vais tomber en faille de batterie. Donc on se dit à très bientôt. Je vous fais plein de poutou poutou. Laissez un pouce bleu si la vidéo vous a fait kiffer. Et à bientôt, salut la team. C'était Sam Suffit pour vous servir. Tchuss.